Bonjour à tous, ici Raven de la Team Taika. Aujourd'hui, on commence enfin à parler plus en détail des monstres peuplant le monde de Monster Hunter. Et quoi de mieux pour commencer que de parler du monstre le plus atypique du jeu. Une créature mêlant puissance et agilité, intelligence et malice, ainsi que tradition et mysticisme. Je parle bien évidemment du Tamamitsune. Le Tamamitsune, ou Mizutsune en français, est un léviathan ressemblant à une bête sacrée trouvée dans les légendes du village Yukumo, ce qui explique sa prédisposition à habiter des régions proches, comme les pics brumeux ou le temple oublié. Comme la plupart des autres léviathans, le Tama possède un long corps fin comme un serpent ou une anguille, cependant il est l'un des rares à avoir de la fourrure sur son corps, plus particulièrement sur sa poitrine, son ventre, ses pattes et sa queue. Bien que les poils de son corps soient appelés fourrure, il s'agit en fait d'écailles spécialement évoluées qui ont pris une apparence et une sensation similaires à celles de ce matériau. De plus, ses pattes ont aussi évolué de telle sorte qu'il puisse se déplacer rapidement sur Terre contrairement aux autres léviathans, ce qui explique pourquoi il est l'un des rares monstres de cette famille à passer plus de temps sur la terre ferme. Ses écailles sont de couleur claire, limite translucide, et ressemblent à celles d'un poisson. Sa tête possède un long museau et des traits fins, semblables à ceux d'un renard, surmontés par de nombreux appendices, ressemblant à ceux d'un poisson-chat. Ses ailettes sont de couleur rose avec des marques jaunes, et peuvent aussi être vues sur son dos et sa queue. Si le Tama se sent en danger, il peut rendre ses ailettes rouges afin d'alerter son prédateur et de le dissuader. Mais la plus grande particularité du Tamamitsune est sa capacité à sécréter une substance qui, une fois mélangé à l'eau, crée un fluide savonneux que la guilde nomme Moussabulle. Il est dit qu'une seule de ces gouttes serait capable de transformer un marécage en bain moussant, pouvant rendre un Almudron plus propre qu'il ne l'aurait jamais été. Même les flatulences d'un Kongalala ayant consommé des mandragores ne pourraient ternir cette odeur de fleurs de cerisier. Pouvant également éliminer les impuretés, elle est utilisée dans différents domaines de la vie quotidienne ainsi que dans les rituels religieux. C'est donc en toute logique qu'il obtient le surnom de Wyvern Renard d'Abule. Une autre différence avec les léviathans est que ces derniers ont besoin de nager dans une substance comme l'eau, le sable, la glace ou encore la lave afin de réguler leur température corporelle. Mais ce n'est pas le cas pour le Tama. En effet, grâce aux propriétés ineffuges de sa moussabulle et à la forme irrégulière de ses écailles qui permet à la majeure partie de rester sur son corps, il est capable de rester sur Terre pendant de longues périodes. On pourrait croire, à tort, que l'apparition de fourrure sur le Tama est une évolution étrange, mais elle est en vérité un trésor d'ingéniosité de la nature. Habituellement, sa fourrure est raide et dure, mais elle devient soyeuse comme un pinceau une fois imbibé de moussabulle. Donc, pendant que les écailles retiennent la mousse qu'elles sécrètent, la fourrure est utilisée pour produire et répandre les bulles dans tout son environnement. C'est pour cela que la queue du Tama est également un matériau très prisé pour son éclat et sa douceur au toucher. Certains marchands n'hésitent d'ailleurs pas à faire des démonstrations en ayant pris soin d'assouplir la queue, mais oblitérant maladroitement que cette souplesse n'est possible que grâce à la mousse, ce qui leur permet de vendre cette dernière plus cher. Le Tama peut également se servir de son fluide en frottant ses écailles sur sa fourrure ou sur le sol, afin de les utiliser à son avantage. En effet, avec l'aide de la fourrure qui orne son corps, il est capable de glisser sur la mousse et de se déplacer à de grandes vitesses sur Terre. Il a été observé en train de distancer un Diligio qui était venu envahir son territoire. Cet exploit est possible grâce aux propriétés physico-chimiques de la moussabulle. Celle-ci réduit la friction au sol, rendant difficile pour la plupart des créatures de se tenir debout ou de marcher correctement tout en l'affrontant. Comme il préfère éviter les combats plutôt que de s'engager dans des guerres de territoire inutiles, le Tamamitsune est plus souvent vu comme une créature espiègle, voire arrogante qui s'amuse avec ses adversaires en dansant autour d'eux. Mais ceci n'a pour but que d'épuiser au maximum son adversaire en un minimum d'efforts tout en l'observant au cas où il serait amené à en rencontrer d'autres. Ce n'est que lorsqu'il s'y retrouve contraint qu'il se jettera férocement dans la bataille en utilisant un arsenal bien plus dévastateur. Les ruines des pics brumeux en sont un parfait exemple, vestige d'un ancien village détruit par le Tama grâce à son jet d'eau à haute pression. Parfois, il lui arrive de plutôt créer une bulle de cavitation qui va imploser violemment sur son adversaire. Ses griffes en forme de crochet lui permettent non seulement de servir d'arme, mais aussi à prendre des dérapages très serrés ou de s'arrêter rapidement pour ne laisser aucune ouverture et désorienter ses ennemis. De plus, il est capable de former des bulles à partir de sa gueule. Sa langue stimule les glandes présentes sous ses yeux au niveau de son palais pour sécréter la mousse avant de gonfler le liquide dans sa bouche, le transformant en bulles. Il peut ainsi les envoyer plus précisément sur son adversaire. Parfois, les bulles auront des couleurs différentes selon leurs caractéristiques. Certaines d'entre elles auront des vertus curatives, tandis que d'autres augmentent
augmenteront la puissance physique. Cela est dû à son régime alimentaire, où les fluides corporels de sa proie se mélangent parfois avec la mousse, conférant une propriété chimique supplémentaire. Il est possible que les caractéristiques de puissance soient dues au draconium présent dans l'organisme, tandis que les caractéristiques médicinales seraient dues à la bioénergie. Lorsqu'il n'est pas attaqué, le Tama passe la plupart de son temps à se reposer proche des cours d'eau ou à entretenir sa fourrure grâce à ses griffes et à son fluide. Ce toilettage permet de se préparer au combat, mais aussi à se préparer à la saison des amours. Pendant cette saison, les Tama Mitsune deviennent très agressifs et peuvent parfois se retrouver à attaquer des humains simplement parce qu'ils étaient sur leur chemin. Pour montrer ses sentiments envers une femelle, il teintera ses ailettes d'un rouge flamboyant comme s'il était énervé. Au terme d'une danse gracieuse et élégante, les deux créatures s'accoupleront pour la vie. Il faut savoir que les Tama sont monogames et protégeront leurs partenaires et leurs petits plus que leur propre vie. Au lieu de fuir les menaces, ils tiendront tête à un ennemi pour protéger à la fois leur territoire et leur famille du danger. Le mâle, de nature solitaire, partira une fois que ses petits seront assez grands, tandis que les femelles vivront en groupe avec ces derniers, jusqu'à ce qu'ils puissent également eux aussi partir. Lorsque les mâles arriveront à maturité, ils quitteront leur groupe et vivront principalement une vie solitaire, mais ils leur arriveront de rendre visite occasionnellement au groupe de leur mère. C'est d'ailleurs une technique de certains mâles pour trouver une partenaire, même si ce phénomène a pu être également observé chez les femelles. Par ailleurs, la différence principale entre eux sont leurs ailettes, qui sont bien plus colorées. Toutefois, ces nageoires ne servent pas qu'à séduire ou à dissuader un ennemi. En effet, elles sont très développées et sensibles en raison des récepteurs en leur sein, utilisés pour détecter l'humidité environnante ainsi que les vibrations. Il peut ainsi sentir les moindres changements, y compris si quelque chose éclate dans l'une des nombreuses bulles qui entourent son territoire. Plus tard, au cours de sa vie, le Tama gagnera en expérience et en intelligence, développant son arsenal de techniques. Cependant, il lui arrivera parfois de rencontrer des ennemis qui lui causeront de graves blessures, comme un Jinuga par exemple. Connaissant la nature du Léviathan, il est très peu probable que ce soit un combat voulu, mais plus une bataille où il a dû protéger sa famille et son territoire. Ayant perdu tout ce qui lui est cher, derrière ses paupières éternellement closes, bouillonne une inextinguible grand cœur et quiconque pris au piège de ses bulles comprendra ce qui lui vaut son titre de perce-âme. Par ailleurs, petite anecdote, le Tama Mitsune était censé être le monstre emblème de Monster Hunter 3P, mais face au peu de créatures de foudre, le Jinuga fut choisi alors que ce dernier était prévu à la base pour la série de Frontières. Leur rivalité se retrouve même dans leurs techniques où elles sont très similaires, le Tama ayant copié certaines techniques du Jinuga comme son plaquage dorsal par exemple. Leur différent vient également des légendes comme quoi les Kitsune et les chiens étaient des ennemis. Bien qu'il ait perdu la vue, ce Tama commença à compter sur ses autres sens, en particulier celui du toucher, afin de se déplacer dans son environnement. Cela implique que ses appendices comme les nageoires, les griffes, etc. se sont développés de manière unique au fil du temps pour devenir plus sensibles. Cette sensibilité supplémentaire lui permit de percevoir son environnement d'une nouvelle manière. Grâce aux récepteurs de ses nageoires, il pouvait ainsi voir via la mousse à bulles. En les faisant léviter en spirale autour de lui, il pouvait donc détecter tout ce qui entrait en contact avec ces derniers. À partir du moment où une créature se retrouve couverte de bulles, le Tama connaîtra son emplacement exact et attaquera en conséquence. Il manifestera d'ailleurs sa colère en augmentant sa température corporelle grâce au draconium pour tendre ses muscles, provoquant l'évaporation des fluides autour de ses yeux, lui donnant cet aspect de flamme bleue. C'est à ce moment qu'entre son arme secrète, la capacité de lancer des bulles bleues hautement explosives et inflammables de sa bouche. Cette couleur et ses propriétés sont dues aux arowana bombes qui constituent la majeure partie de son alimentation à cause de sa cécité. Les arowana bombes étant de gros poissons, il lui est plus facile de les attraper. De plus, ses nombreux combats lui ont permis de développer de nouvelles techniques qu'il n'utilisait que très rarement avant d'être aveugle. N'ayant plus rien à perdre, il essaiera directement de tuer son ennemi plutôt que de l'observer ou de s'enfuir. Comme dit précédemment, les Tama Mitsune sont monogames, donc à partir du moment où ils perdent leur partenaire, ils n'ont plus réellement de raison de souvent se toiletter. C'est pour cette raison que leur fourrure est extrêmement dure et pâle, comme pour symboliser leur deuil, le blanc étant un symbole de deuil dans les pays asiatiques. Lors d'une bataille, il leur arrive de recouvrir la fourrure de leur queue et de leurs pattes, ce qui leur permet d'encore mieux ressentir la mousse dans leur environnement. Cependant, même si cette technique augmente sa sensibilité, elle diminue la dureté de sa fourrure. De plus, des particules de mousse peuvent se poser sur les adversaires, qui l'attaquera, ce qui peut augmenter légèrement leurs caractéristiques. Il peut également utiliser ce procédé pour se soigner, mais uniquement s'il est seul. Il ne faut pas oublier que les bulles disparaissent au fur et à mesure. Il finira donc tôt ou tard par perdre de vue sa cible. À ce moment, il commencera à répandre aléatoirement des bulles autour de la zone pour tenter de marquer à nouveau son adversaire ou vérifier que le danger n'est plus présent. Les hunters les plus courageux ou les plus fous tenteront tant bien que mal de le chasser, mais à chaque fois, ils ne resteront pas insensibles à ce monstre. Bien qu'aveugles, ils savaient parfaitement s'orienter et combattre des ennemis puissants, prédisant leurs moindres mouvements
comme si ce monstre était capable de voir l'âme des vivants. Sa flamme bleue et les légendes n'ont fait qu'accroître son titre de perce-âme et le mysticisme autour du Tamamitsu. C'est pour toutes ces raisons qu'il est associé à la loyauté, la fidélité et le mariage dans Monster Hunter. Les armures à son effigie sont en fait des tenues cérémonielles pour ce qu'on appelle le mariage du renard, ou Kitsune no Yomeri, une tradition japonaise également présente dans l'univers du jeu. J'espère que cet épisode du lore de Monster Hunter vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et en attendant le prochain, je vous dis bonne chasse.